l'invitation d'un de ses membres, Anne-Marie, qui, pour venir chanter ici à Auxerre pour l'association pour le maintien des œuvres de l'Église. Et donc, on a fait ce chemin très agréable. Enfin, eux, ils ont fait de Paris jusqu'ici. Et voilà, nous sommes 16 chanteurs amateurs. Nous sommes 15 et avec un repas exclusivement dans la Renaissance. Et notre concert, il parle un peu de la Renaissance en Europe, parce qu'on va passer par trois pays voisins, la France, l'Espagne et l'Italie. Les chansons sont en majorité inspirées par l'amour. En général, l'amour d'une femme désirée, mais pas forcément disponible. Elle tient son prétendant par ses charmes, par sa beauté, ce qui n'empêche pas son amoureux d'essayer à tout prix de lui soutirer un furtif baiser. Mais aussi la femme qui parle à son amant, qui lui déclare son amour ou lui envoie un message. Les textes sont inspirés également par les commérages du village, l'admiration de la nature, la comédie, le jeu ou encore les personnages mythologiques. Notre parcours commence par la France avec la, je n'ose dire, qui nous raconte l'infortune d'un mari cocu. Ensuite, quatre chansons d'amour. La fameuse Pavane, publiée par Pano Arnaud dans son traité de danse pour chorégraphie. La chanson Mon cœur sur le cordon d'avou, le long de la suite. Puis L'Anguille me fait et Tant que vivre. Notre incursion par la France se termine avec la très connue chanson à voix, Tourdillon.
qui est allé cueillir trois roses dans le verger. Ding-ding, ding-ding, et le dialogue d'une femme à un rossignol, à qui elle prie de dire à son amant, je suis déjà mariée. Si Abraham este Valdés, c'est l'histoire de trois jeunes femmes qui se demandent si la peau en cuir dont elles disposent est suffisante pour en faire des gants pour toutes les trois. On peut aussi penser que la peau serait en effet un garçon. Et la question serait plutôt, est-il assez gaillard pour nous rendre heureuses toutes les trois? Thank you.
objet du désir. Ô les yeux de ma chérie, tes cils dorés, ton visage de lune scintillante. Ô cœur, tu es ma joie. Rolando di Lasso n'est autre que Roland de Lassus, appelé différemment selon le pays où il se trouvait. Deux chansons de Castoldi, Amor Vittorioso, qui présentent l'amour, le Cupidon, ont pour agent de ses troupes à semer ses flèches remplies des sentiments dont tous les cœurs sont endoucis. Et aussi, Questa Dolce Sirena raconte les charmes d'une douce sirène qui apaise la mer et l'air avec son chant et son rire. Dans Fa la canzone, l'auteur parle de la composition musicale à son amoureuse ou amoureux. Fais une chanson sans toi. Si jamais tu veux avoir mes faveurs, fais-la d'une façon qui invite au sommeil et fais-la finir doucement. La Capricciata et contrapunto bestiale à la mente est un extrait du festin du Mardi Gras de Barbieri, où on annonce à l'Assemblée « Vous allez entendre quatre beaux esprits, un chien, un chat, un coucou et une chouette, qui feront un contrepoint improvisé sur une basse. » Quand les animaux font la fête et chantent dans un joli bois. Et pour finir, la manzanilla si chiama Saporita raconte et dialogue en même temps avec la femme aimée qui s'appelle Saporita, pour laquelle le narrateur